E tra le vittime, purtroppo, di questa guerra c'è anche un giovane algerino di 24 anni. Et parmi ces victimes, malheureusement, de cette guerre, il y a aussi un jeune Algérien de 24 ans. Mi unisco al cordoglio che già ho espresso al presidente Tebboune, al Je governo algerino e alla m'associe. famiglia, tutta la solidarietà del governo Je italiano. m'associe au deuil et j'ai exprimé déjà mes condoléances au président Tebboune pour cette terrible In questo momento nouvelle. l'Italia è al fianco del L'Italie popolo ucraino. est aux côtés du peuple ukrainien en ce moment. L'Unione Europea sta agendo in maniera compatta anche perché a rischio c'è la sicurezza dell'intero continente. L'Unione Européenne est en train d'agir de manière compacte parce qu'il y a aussi un risque pour la sécurité Per noi européenne. tutti, il popolo ucraino rappresenta una resistenza europea. Le peuple ukrainien représente une résistance européenne pour nous tous. Ieri ho anche firmato una delibera che ci ha permesso di stanziare immediatamente 110 milioni di euro di sostegno al governo ucraino. Hier, j'ai signé une délibération qui nous a permis de financer immédiatement 110 millions d'euros pour le gouvernement ukrainien. E continueremo con tutti i partner G7 a sostenere il governo ucraino economicamente e militarmente. Nous continuerons à assister l'Ukraine aussi bien économiquement que militairement.